Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un tout nouvel épisode sur SimCity. On continue donc notre ville argent où notre but c'est d'avoir de plus en plus de mecs intelligents. On en a besoin dans notre nation. On pourrait créer un autre service. Bon, pour le moment, on va quand même créer encore un niveau d'appartement. Le pétrole, c'est bien. On a des raffineries. On a la construction de téléviseurs, il nous faudrait la construction de processeurs, et ça va être indéniablement important. Est-ce que je peux étendre? On va avoir vraiment un problème là-dessus. Hein. Alors, j'ai pensé qu'on puisse le mettre plutôt par là. Comme ça, l'eau va rester là. Quoique, non, ça serait plutôt l'eau qui devrait passer ici. Ah ouais, j'ai pas une bonne nappe phréatique ici. Et le pétrole. Oh, j'ai tout ça, quoi. Bah, l'eau, on va devoir le mettre là. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a une grosse ligne d'eau parce que je suis en train de l'exploiter, quoi. C'est grâce à ça, en fait, qu'il y a une grosse colonne d'eau, là. C'est normal, c'est grâce à ça parce que ça le remet par terre. Ça, c'est pénible de se dire où est-ce qu'on pourrait le mettre. Au pire des cas... Et c'est ce que je pense que je vais faire. On va déplacer les postes de police, la clinique, dans d'autres endroits. Putain, il y a des riches ici. On pourrait le mettre par exemple ici, quoi. Ou alors plus vers le haut. Attendez, on va tester ça, on va faire un petit test, écoutez, de toute façon j'ai rien à perdre, je suis riche. Hop. Oui, il faut casser ça. Donc l'eau, je l'exploite là. Hop, on en met 4, comme ça c'est fait. Pour le prout-prout, on va le mettre plutôt ici. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, là, on aurait toute une ligne tranquillou. L'eau, parfait. Même on a mis trop d'eau. On va pouvoir faire une clinique. Hop là. Une grande caserne des pompiers. Et un gros poste de police. Oh merde, je suis vraiment un gros con. On va le mettre là. Hop là. Alors pourquoi je le mets là? Ah, on a l'incendie de matière dangereuse. Go, faut mettre ça. Garage. Parce qu'on peut faire ça. Les matières dangereuses, ça sera super rare. Donc voilà. Et ça, je le mets là. Et au pire, on mettra un parc ici s'il n'y a pas... S'il n'y a pas de truc... Putain, j'ai une caserne de pompiers là. Hop, on l'a détruit. Normalement, au niveau de la terre, on a tout ça, donc on est toujours dans une zone d'aussi riche. Ok. Voilà, c'est parti. Par contre, là, on aura des gros problèmes. Il n'y a pas d'eau. Il faut embaucher.
Ta ta la 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 ta. Tu. En train d'acheminer l'eau vers la ville, donc ça marche. Ce serait judicieux que des gens aillent travailler là-dedans. Ah! Yes! Enfin. Ok, c'est ouvert. Là, on a ouvert. La police est ouverte. Point. Temps de réaction instantané, go. Allez, on va mettre une enceinte de prévention contre le crime. La. Faire attention aux matières dangereuses, hein. Ça va être important, hein. Les matières dangereuses. Donc au niveau de l'eau, c'est parfait. Au niveau de l'électricité, c'est parfait. Au niveau de ça, c'est parfait. Ok, on a quand même beaucoup de Sims malades, hein. Ouais, on a quand même beaucoup de Sims. Comment dans cette petite habitation il peut avoir 3 Sims malades? C'est très chelou. Combien il y a de lits possibles? 50. D'accord. C'est beaucoup mieux qu'avant. Malgré tout. Bon, tant mieux. Tant mieux. Bon, pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pub, hein, sur Utip. Faudra que je regarde. Donc si vous allez sur ma page YouTube, vous pouvez me soutenir, hein, financièrement, gratuitement ou non, si vous me faites des dons. C'est sympa si vous me faites des dons. Donc ouais. Ma page ainsi, nanana. Ok. Ok, excusez-moi, j'étais en train de regarder sur Utip. Oui, j'ai envie de savoir parce que ça parle beaucoup sur le Discord de Utip. Donc ouais, j'ai un Discord Utip. Donc voilà. Alors, au niveau des casernes, tout se passe bien. Ah! On commence à avoir de la technologie ou pas du tout? Ah, pas du tout. Hein. Là, au niveau de la technologie, il faut repasser. Hein. Allez, on va le mettre là, écoutez. Une belle université. Auquel cas, je m'en fous complètement de l'université. C'est juste pour avoir un peu plus de technologie. On pourrait extraire plus de pétrole. Hein. Lieu de stockage plein. Ah bah d'accord, ça exportait pas, mais quel crétin que je suis, quoi. C'est sûr que ça va pas marcher si j'exporte pas. Allez go, exportez-moi tout ça. Hop là. Ah bah d'un coup c'est plus logique comme ça. Putain, je suis vraiment un crétin parfois. C'est-à-dire qu'on en produit trop là-bas. Ok. Qu'est-ce qui me rapporte le plus dans le commerce? Ah ouais, par contre c'est magnifique de voir tous ces stats, tous ces bâtons. C'est plutôt un, bah c'est genre des histogrammes en bâton. Enfin, c'est des bâtons quoi.
C'est super impressionnant de voir les différentes couleurs et tout. Je trouve que c'est très très bien fait par rapport au commerce sur SimCity, c'est ça. C'est très très bien fait, je trouve ça magnifique. C'est merveilleux quoi. Au niveau du charbon, on est en train d'extraire tout le charbon. Il va falloir peut-être un jour importer. Bon, de toute façon, on peut commencer à importer, c'est pas forcément un problème. Alors, qu'est-ce qui rapporte le plus? L'alliage derrière les téléviseurs, le plastique commence à bien se vendre. Le pétrole brut se vend bien aussi. Ouais, pour 4000 caisses par jour, je gagne quand même 401 000. L'alliage en vend énormément. Ça, c'est pas très étonnant après. Ah ouais, là on vend le plastique. Ah, c'est bon ça. On a les trucs de plastique qui sont en train de se créer. On va créer un niveau d'appartement. Go. Lieu de stockage plein. Ah bon? Là? Oh, mais c'est pas grave. Ok, c'est buggé. Pas assez de producteurs de marchandises. Ouais, pour le moment, on n'a toujours pas des grandes sociétés. Ça c'est un poil pénible, hein, je vais pas vous mentir. Bon, on va devoir créer plus de zones industrielles. On peut pas agrandir? Quoi? Attends, on est trop proche d'une intersection. Mais c'est totalement stupide, putain. C'est stupide. Ce jeu parfois est totalement stupide. Y a pas à chercher. Hein. Bon allez, hop. Hop là, on crée plusieurs industries, zones industrielles. On pourrait même la faire rentrer par là. Cette zone. Et ça, on va le développer plus vers le haut. Mais après, est-ce qu'au niveau du haut, au pétrole, parce qu'on a tout ça encore, faudra faire attention à ça. Ok, ça construit, ça construit. 115 cimes, c'est tout. Putain, au niveau de la technologie, ça va être chaud. Il y a que ici où il y a de la technologie, mais sinon, il n'y a pas de technologie, quoi, hein, dans notre ville. Ouais, non, mais le truc en bâton, ils peuvent le diminuer parce que là. Oh, je peux améliorer, go. Niveau maximal. Division commerce, il est déjà, mais voilà quoi. Au moins, on a cette division, c'est pas mal. On est au max. On pourrait même mettre le truc de commerce. Allez, on va le mettre. Ah ouais, le plastique et l'alliage, ça va, hein. Waouh. Tout cet argent qu'on a. MDR, c'est le niveau 3. Il y a combien de niveaux? Il y en a 4. Ouais, je crois qu'il y en a 4. Ah, on pourrait développer ça, on pourrait faire niveau 4. Mais il faudrait une plus grande production de téléviseurs et d'ordinateurs, faudrait faire aussi. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait que notre population devienne de plus en plus intelligente. Et ça, c'est compliqué. Pour le moment, bien sûr. Parce que pour le moment, ben, ils sont en mode non, Francie, on ne veut pas.
Mais après, au niveau de notre balance commerciale, parce que oui, il faut interpréter un peu dans les choses de macroéconomie, on est quand même à des transactions d'à une hauteur de plus de 2 millions de SimFlouz. 2 millions, les mecs, c'est énorme. Hein. Chaque jour, on a plus de 2 millions d'euros qui partent. C'est énorme. Vous allez me dire, oh Francis, il y a mieux, tatatitatata. Moi, je trouve que c'est beaucoup. 2 millions, donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est un très beau chiffre. Même qu'on pourrait baisser les taxes. Parce que les taxes, vous voyez, ça nous rapporte presque rien. Mais vraiment presque rien. Donc bon, pour le moment, voilà, vous regardez, la taxe rapporte seulement 3 900. Bon, c'est pas énorme, quoi. Donc, ouais, il y a des choses où on pourrait améliorer les taxes, hein. Ça, c'est sûr. Spécialisation, ouais, c'est surtout tout ce qui est au niveau de l'industrie. Quand même, ce qui nous fait perdre le plus, à part l'industrie, c'est dans les services publics, on a l'incendie. Donc, les pompiers qui nous fait perdre le plus d'argent. Mais ça, c'est pas grave. Est-ce que normalement on a fini, donc on a une spécialisation, c'est la couronne. Nettoyeur d'air pur. Est-ce que ici au moins il y a de la pollution? Non. J'ai envie de mettre un parc. Après on pourrait mettre une couronne d'électricité. Mais on va mettre un parc. Allez, on va mettre un parc. Ça fera plaisir aux gens. Puis normalement, ça devrait accroître un petit peu. Voilà. Accroître la richesse. Enseigne à 362 Sims. Ça va être compliqué, hein, l'éducation. Hein. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Les services de pompiers sont lents. Ah bon? Pour le moment, il n'y a rien. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais écoutez, un jour, on va pouvoir y arriver. Un jour. Est-ce qu'on peut agrandir ce truc? Non, ça sert à rien de toute façon. 200 Sims, ici il y a 420 Sims. Pas mal. Plus bonheur aux habitants. Cool. Poète, poète, poète. Quand même, cette méga tour, elle nous rapporte hein, de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ah. On va modifier, on va le mettre plus par là. Comment ça, je peux pas? Merci. Hop là. Allez, on extrait. Le charbon, ça va être chaud aussi, hein. Il y a du stockage plein. Comment ça se fait qu'il y a du stockage plein? Le problème, c'est qu'on peut pas en rajouter. Hein. Bah, là, il y a besoin de pétrole en plus. C'est une blague. Ah bah putain. Ah ben voilà. Ah ouais, donc là il y a vraiment un problème. Là on n'a pas de problème. Le problème c'est qu'il fait toujours, ils font toujours celui-ci en priorité. L'intérêt est nul. Oh, on a le pétrole qui passe par là en plus. Ça c'est un problème. Va falloir faire gaffe par rapport à ça. Beaucoup de problèmes de santé. Ça va, il y a zéro mort. Ah, il y a des gens en salle d'attente. Ça, c'est pas cool.
Ah, ça c'est bien par contre. Sans chirurgical. Si les Sims guérissent deux fois plus vite. Ben ça veut dire que ça va aller encore plus vite. Il n'y a même pas besoin de rajouter une aile. Parce que ça allait tellement vite qu'il n'y aurait pas de problème. Allez hop. Guérissez-vous. Est-ce qu'on commence à avoir des trucs de technologie? Toujours pas. Pourtant, avec tout ce que j'ai mis, il devrait avoir des trucs de technologie, quoi. Ça me rend triste, ça. Je comprends pas. On a quand même beaucoup de patients, hein. Donc là, ça va 4 fois plus vite, hein, grâce à tout ce qu'on a rajouté. Donc, normalement, l'aile de chambre ne sert plus à rien. Je pourrais même la supprimer, mais bon, mieux vaut en avoir une en plus. C'est plus sexy. Ah, c'est pénible. Possible ça. Pourquoi il y a toujours des problèmes là-dessus? Et au niveau des pompiers. Combien il y a de résidents? Ok. Il y a quand même beaucoup d'élèves étudiants. On a des employés. Ah ouais, dans les trucs d'alliage et tout, ça consomme énormément quoi. Nous embauchons. Ah oui! J'ai encore plein de postes vacants, c'est ça le problème, hein. Va falloir encore agrandir notre. Bon, c'est sûr qu'ici, t'auras de l'emploi, hein. C'est sûr qu'ici, t'auras de l'emploi. Bon, parfait. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait dit de renommer ma ville en je sais plus quoi d'ailleurs. Mais tiens, on va faire ça pour cette fin d'épisode. D'ailleurs, avant que vous quittiez cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma page Utip qui se trouve dans la description de la vidéo. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec Utip? Ben, me soutenir en mettant un petit. En regardant une petite vidéo, enfin une petite pub qui me rémunère quand même 5 centimes. C'est toujours quelque chose en plus, c'est ça me fait plaisir en plus, donc n'hésitez surtout pas à balancer quelques petites pubs pour pouvoir me soutenir. Ça fait 5 centimes chaque pub, 5 centimes, donc on va faire ça. Bref, voilà le nom de notre ville, Auzeil-sur-Mer. Merci énormément, Colonel Roger, qui a envoyé ce petit commentaire. Voilà, tu es récompensé. Bref, en tout cas, on se retrouve la fois prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je regarde un petit truc, c'est au niveau de l'enseignement. Toujours pas. Bref, ciao tout le monde.